Bonjour et bienvenue chez nous. Aujourd'hui, on va faire que du légume, un plat végétal tiré du frigo, tout ce que j'avais à passer. On va l'assaisonner avec un poivre salé des côtes. C'est un poivre vert qui a été passé en saumure, très sympa. Et on va faire une terre d'olive. Donc, j'ai fait des olives séchées qu'on va mélanger avec de la chapelure. Première étape de la recette, on va préparer nos légumes. Donc, on va tout éplucher. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu. On va tout tailler et ensuite, on va tout mettre en cuisson. Mes légumes sont taillés, je vais pouvoir les cuire. Donc on va tout blanchir donc dans une eau bouillante salée et on va refroidir dans de l'eau glacée afin de fixer la chlorophylle. Je blanchis d'abord mes légumes verts, quelques secondes. Voilà, tous nos légumes ont été blanchis, taillés. Maintenant, on va préparer notre terre d'olive. Tout d'abord, on va hacher nos olives. Alors c'est des olives noires qui étaient préparées à la grecque. Je les ai blanchies et ensuite mises à sécher au soleil toute une journée. Ensuite, j'ajoute ma chapelure. On va préparer maintenant notre vinaigrette au citron vert. Une pincée de poivre salé des côtes. J'ajoute le jus d'un demi-citron vert. Une pointe de sel. Et j'ajoute de l'huile d'olive. Mes herbes ont été lavées et triées. Ma terre d'olive est prête. Mes légumes sont tous blanchis. Ma vinaigrette au citron vert est terminée. J'ai un peu de poivre salé des côtes concassé. On va pouvoir passer au dressage. Voilà, mes légumes sont prêts à être assaisonnés. J'ajoute une pointe de sel, un peu de poivre des côtes, de la vinaigrette.